J'ai besoin de ta vue, mon ami. Merci de tes efforts, Eivor. Nous avons une belle petite pêcherie maintenant. C'est toi qui la dirige ? C'est mon grand-père, mais il dit que le meilleur moyen de devenir quelqu'un de responsable, c'est de travailler. Et puis, que ça reste entre nous. Je suis plus douée que lui, pour les rapports avec les gens. Oui, c'est... J'ai quelque chose qui pourrait t'intéresser. J'ai entendu dire que ce poisson ne se laisse pas volontiers pêcher. Cela faisait longtemps que nous cherchions ce poisson. Grand-père et moi, nous avons hâte de voir cette prise. Je dois prendre congé. Adieu. Adieu!
a mordu. Ramène-la au bord. Non. Bien joué, Eivor. Une anguille. A mordu. Ramène-la au bord. Une autre anguille. On a presque de quoi faire une soupe. Ça a mordu. Ramène-la au bord. Ça suffira comme ça. L'évêque d'Eorlap sera ravi. Allons parler de nos prises à Ivar. Ça a été plus long que de nettoyer ce village. Nous avons attrapé des anguilles. Elles devraient faire le régal de l'évêque. Quand on parle du loup, on en voit la queue. Ah, étrange manière de fêter la victoire. Mais après tout, le Christ était un pêcheur d'âmes, n'est-ce pas? Salut à toi, évêque. Nous avons de quoi préparer une soupe succulente. Je t'en remercie, Cholbert. Mais j'ai le cœur lourd. Tant de maisons brûlées, la reconstruction prendra des années. Oui, mais tu aurais dû voir Cholbert se battre. Il fera un Elderman redoutable, avec tripes et bourse. J'aurais préféré bonté et justice, mais j'accepte le compliment. J'ai envoyé un message aux Bretons. Je prie pour que le cœur du roi Rodri s'ouvre de nouveau à la paix, malgré le meurtre de son frère. Tout a joué en notre faveur. Regarde où nous en sommes. Les Bretons implorent pitié comme des chiots. Nous avons incendié le village, oui. Mais la paix n'est pas assurée. Pour l'atteindre, nous aurons besoin d'une autre qualité. La mesure. Les prochaines étapes seront cruciales. Et après ce qui s'est passé à Quatford, je crois qu'il s'impose d'écarter Ivar. Écarter ? Après tout ce que j'ai fait ici, tu veux que je me fasse discret ? L'évêque a raison, Ivar. Tu as un cœur de guerrier, pas de négociateur. La peste, ami des loups. Je connais Rodri, et je sais de quel tour il est capable. Je t'aurais averti. Et si je lâche un vent, c'est pour souhaiter la bienvenue à ce chien. Tu as froissé son orgueil, Eivor. Si tu connais un onguent efficace, je t'en prie, donne-moi un peu. Son orgueil le rend difficile, et sa colère l'incite à se précipiter. Mais il n'est pas totalement mauvais. Je vais chasser pour lui un grand sanglier. Ensemble, nous le ferons rôtir en échangeant des histoires de combat. Cela devrait lui plaire. Évêque, nous devons nous préparer à la venue de Rodri. Rassemble nos hommes et établis ici un campement. L'issue sera la paix ou la guerre, mais rien n'est acquis. Il faut attendre.
Je déteste attendre. Tout est entre les mains de Dieu. Nous ne pouvons que prier et rendre grâce pour ce moment de repos. Les Bretons sont là. Le temps n'est plus à la prière. Par ici, près du Grand Chêne. Où est Geralbert? En tant que futur Eldorman, il faut qu'il assiste à ces discussions. Il est parti chasser. Le sanglier a-t-il dit. Cela fait déjà un moment, non? On ne peut pas attendre. Il faut décider tout de suite de la paix. Dame Angarad, salutations. Nous venons parler de paix. Et nous sommes heureux de l'entendre. Et où est ton grand? Il est resté au château, sur mon ordre. Je craignais que sa présence n'enflamme cet égorgeur d'Ivar. Nous avons retenu l'égorgeur dans sa tente. Nous nous inquiétons toutes deux de nos compagnons assoiffés de combat, semblerait-il. Un surcroît de prudence n'a jamais fait de mal. Je prends cela comme une bénédiction. Peut-être enfin allons-nous pouvoir mettre fin à cette guerre. Nos peuples ont assez souffert. Et que proposes-tu? Nous allons retirer nos troupes sur la frontière ancestrale séparant nos contrées. Nous ne demandons que quelques jours pour rassembler nos biens cet instant. Ces termes sont généreux. Nous aurons une trêve. Parfait. Oui, sois cette issue rapide. Dieu te garde ainsi que ton roi, Dame Angarad. Je vous salue tous. Vous avez mené une belle guerre. Espérons que cette paix soit éternelle. Je n'en reviens pas, Ivor. Des années de meurtre et de tourments ont pris fin en un clameur. Tu as emprunté un chemin bien ardu, évêque. Il faut annoncer la bonne nouvelle à Cheolbert. Lui diras-tu quand tu le verras? Je pars à sa recherche. Dieu, où est Cheolbert? Quelqu'un doit bien le savoir. Je cherche Cheolbert. Est-ce que tu l'as vu? La dernière fois que je l'ai vu, il a fui. Tu as vu Cheolbert? Ne prête pas attention aux allées et venues de l'Adling. Demande à quelqu'un d'autre. Peut-être que mon nez vous trouve. Ivar, c'est fait. La paix, hein? Et maintenant, tout le monde se chie dessus de bonheur. Sinon de bonheur, du moins de soulagement. Tu as vu Cheolbert? J'aimerais lui annoncer la bonne nouvelle. Il m'a demandé si je voulais aller chasser, mais je n'étais pas d'humeur. Salut à toi, Ivar. Est-ce que tu as vu Cheolbert? C'est mon frère qui l'a vu en dernier. Aussi ivre qu'un maquereau, hein? Il a fêté la paix, et a commencé tôt. Réveille-toi! Hein? Où est Cheolbert? Cheolbert? Aucun de vous ne l'a vu ou quoi? Seulement lui, Drengre. Tu vas devoir attendre. Ça lui arrive souvent de s'enivrer comme ça? Par tous les dieux, oui. Deux fois par semaine. Une fois pour 3 jours, l'autre pour 4. Et 2 fois le dimanche. Et si tu as besoin qu'il dessoule, qu'est-ce que tu fais? Garde ça pour toi, mais
Lorsque j'avais vraiment besoin de lui, ça m'est arrivé de le jeter dans un lac. Ça vaut la peine d'essayer. Il doit bien y avoir un moyen de réveiller cet ivrogne. Bien dormi ? Non, mais ça se fait pas des choses pareilles. Je cherche Tjolbert. Le jeune Saxon mollasson ? Le prochain Eldorman, oui. Il a dit qu'il allait chasser pour rapporter de quoi festoyer avec Ivar et les autres. Je sais qu'il est parti chasser, mais où ? Près de l'entrée d'une grotte, pas loin. Remonte le ruisseau vers la montagne, au sud. J'en sais assez pour continuer, merci. Inspecte les alentours, Sinine. Que vois-tu, ma vieille amie ? Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Ça ne me dit rien de bon. L'arc de Tjolbert. Abandonné. Thank you.
inutile. Des traces de pattes et du sang. Pas celles d'un sanglier. Un loup traînant quelque chose. Olbert, par les larmes de Freya. Chez Olbert, tu es vivant. Je... Ne dis rien. Tu es gravement blessé. Un dragon sur le manche. Par les dieux. L'emblème des Bretons. Respire, petit. Ce ne sera plus très long. Je vais te ramener pour que tu puisses faire tes adieux. Je vais te ramener aux autres. J'irai doucement. Doucement. Garde tes forces. Silence, Jolbert. Nous serons bientôt entre amis. Voilà. Ce sera plus rapide. Voilà, ce sera plus rapide. On a besoin d'aide! Iva, dehors là! Par la main de Thor! Qu'est-ce qui est arrivé? Non! Gamin sans cervelle, qu'est-ce que tu as fait? Je l'ai trouvé au fond d'une grotte, cerné par des loups. Ivar. Doucement, petit. Doucement. Et. Ivar. Donne-moi une hache! Tout de suite! Ivar. Il est mort. Une hache! Son dieu l'emmènera ainsi. Avec ou sans hache. Va auprès de ton dieu, petit. Moi, je chanterai pour toi au Valhalla. Ce n'était pas un loup. Dis-moi ce qui s'est passé. Nous avons été idiots. On nous a confié un Nathling en temps de guerre, et nous ne l'avons pas protégé. Je lui ai appris à se défendre. Pas suffisamment.
Ceci était planté dans sa poitrine. Une dague bretonne. Rodri ! Mais pourquoi ? Tu as tué son frère. Tu croyais qu'il ne chercherait pas à se venger ? Je t'ai dit que c'était un menteur. Il n'a jamais voulu la paix. Seul le sang l'intéresse. Évêque des Orlaf ! Les murs de sa forteresse ne le protégeront pas. Je vais lui planter cette dague dans la poitrine. Agissons vite. Attaquons avant que Rodri puisse se réjouir de son coup. Dieu du ciel, qu'est-ce qui s'est passé ? Tjolvert ! On l'a tué. Puisse le Dieu qui te libère du péché te sauver et te relever. Qu'on envoie son corps à son père. Il voudra des funérailles chrétiennes. D'après Damangarad, Rodri se terre au château de Costo. Soit elle a menti, soit elle l'a dit par mégarde. Dans les deux cas, il faut aller voir. Il y a un endroit près de la forteresse où établir un campement. Nous le reconnaîtrons ensemble. Bonne idée. Allons-y. Bien. Et rappelle-toi, Rodri est à moi.